Et voici que les équipes font leur entrée sur le terrain. Les Grenoblois, en tête desquels on reconnaît Bionda, Beltante et Rennes, ont revêtu d'impeccables maillots neufs aux larges bandes bleues et rouges. Les Cognassais, emmenés par le capitaine, l'international Viennès, sont en blanc. Ce sont eux qui donnent le coup d'envoi. Mais Claret est à la parade et dégage loin en touche. Dès les premières minutes, la lutte fait rage entre les deux packs d'avant également puissants. Les Grenoblois ripostent vigoureusement au rush forcené de leurs adversaires, emmenés par Lagrange et Bienet, et tentent d'alerter leurs attaquants, dont ils espèrent qu'ils parviendront à dérouter la défense des Cognassais. Une tentative de but de Ménard fait passer le frisson dans les rangs des supporters grenoblois. Le jeu des Grenoblois paraît plus étudié, plus méthodique. Devant, ils s'efforcent d'effectuer des mêlées ouvertes et ils y réussissent même très bien. Hélas, un hors-jeu ne leur permet pas d'exploiter cet avantage. Un coup de pied de pénalité sanctionne néanmoins cette faute, mais Échevet ne peut réussir le but. Chaque fois qu'il est en possession du ballon, le demi-mêlée cognassé Dumont, l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, se signale par des offensives de style et il faut toute la vigilance des troisième lignes grenoblois pour enrayer ces dangereux mouvements. L'enfant qui, d'ailleurs, tente de contre-attaquer, mais il est l'objet d'une surveillance attentive. Les Grenoblois ont peu après pris le dessus sur leurs adversaires. Un essai marqué par Rhin leur est même refusé. Mais cette fois, l'impulsion est donnée et les offensives grenobloises se précipitent, lancées par le tandem Liénard-Baquet et continuées par Beltante, qui tente de percer en puissance. Les Cognassais, eux, ont adapté une tactique plus prudente, leur demi d'ouverture sur haut ayant, semble-t-il, reçu la consigne de gagner du terrain par des dégagements en touche. Cette tactique leur vaudra de perdre l'estime du public, dont les faveurs dès lors iront aux 15 grenoblois, dont on admire le panache. Cependant, après que Smogor soit parvenu à sauver le camp grenoblois d'une situation difficile, le centre cognassais Ménard réussit un but de pénalité, donnant l'avantage à son équipe. Malgré ce coup du sort et les rushs du rouquin Lagrange, qui déploie une activité débordante, les Grenoblois continuent à pratiquer un rugby de bonne qualité. De l'arrière, Claret vient prêter main forte à sa ligne de trois quarts, mais Pliassoff ne peut déborder le rapide Barboteau. Une belle offensive des bleus et rouges est terminée par un coup de pied à suivre de Beltante sur Morel, qui malheureusement ne peut empêcher le ballon de rouler en touche. Nouvelle attaque des lignes arrières grenobloises. Baquet, qui a reçu une passe de Pliassoff, fonce dans un espace vide et donne à l'enfranqui la possibilité de marquer. Cet essai, hélas, est refusé, un en avant ayant été commis antérieurement. Les mêlées continuent de s'équilibrer. Dumont se trouve la touche et c'est la mi-temps. Sur le score, Cognac 3, Grenoble 0. Bichon profite de ces quelques minutes de repos pour donner des conseils aux uns, encourager les autres. Le moral ne paraît d'ailleurs pas affecté et le passif de 3 points devrait être comblé au cours du deuxième acte. Effectivement, celui-ci débute par une tentative de percée de Beltante. Échevet donne à suivre à Morel, qui fonce et parvient à bloquer l'arrière cognassais Mourou, qui lâche le ballon que Coquet dégage en touche. Par de judicieux coups de botte, Baquet repose ses avants et gagne un terrain précieux. Liénard, de son côté, prend de plus en plus d'assurance. Il tente de s'échapper et Coquet se signale par une belle ouverture sur Baquet. Les Grenoblois se font de plus en plus pressants. Aussitôt après une tentative de but d'Échevet, le pilier Martin s'échappe avec autorité d'une touche.
De Coquet, le ballon va à l'enfant qui, dans un puissant déboulé, plonge au milieu des buts. Calmement, Échevet ajoute les deux points de la transformation et le Football Club de Grenoble mène par 5 points à 3. Un tonnerre d'applaudissements salue cet exploit et les supporters grenoblois exultent. Les bleus et rouges sentent à présent la victoire à leur portée et ils se lancent de plus belle à l'attaque. Liénard, durement sonné, reste étendu sur le terrain. Fort heureusement, il revient en jeu et alerte à nouveau ses lignes arrières. Le pack d'avant Cognacet, bien que dominé, ne renonce pas encore et de les mêlées s'équilibre. Les Grenoblois cependant activent l'allure et Martin se signale par une échappée digne d'un trois-quarts-centre. Morel, qui jusqu'alors n'avait été que très peu sollicité, se met en vedette par deux splendides déboulés. Il parvient à tromper son adversaire direct Béo Degui, mais ne peut échapper au plaquage de Ménard et de Barboteau. Une passe renversée de Baquet ne peut être reprise par Liénard et les Cognacet essayent à leur tour d'attaquer. Mais leur demi d'ouverture sur eau pousse trop loin son action et cette offensive, dernier sursaut d'une équipe sur qui souffle le vent de la défaite, échouera. Encore une tentative de but d'Échevet et c'est la fin du match. Le Football Club de Grenoble est champion de France. La foule des supporters enthousiastes envahit la pelouse, congratule les joueurs qui n'ont pas encore réalisé la grandeur de leur exploit dont ils viennent d'être les auteurs. Entre deux haies de spectateurs, ils rejoignent les vestiaires où tout à l'heure leur joie va éclater. En cette mémorable journée du 23 mai 1954, ils ont reçu la suprême consécration de 8 longs mois d'efforts, 8 mois durant lesquels ils ont fait preuve d'une volonté magnifique, surmontant les effets déprimants d'un pénible début de saison. Ce magnifique succès récompense également les dirigeants et les fidèles supporters du Football Club de Grenoble, ceux qui ont toujours gardé leur confiance dans leur équipe, dont ils savourent aujourd'hui le sensationnel triomphe. Nous sommes maintenant sur le quai de la gare, où règne une ambiance indescriptible. Tous les supporters ont fait ample provision d'optimisme pour une nouvelle nuit de veille dans le train spécial. Des affiches imprimées en hâte chantent la gloire du Football Club de Grenoble, dont voici les équipiers et remplaçants. Beltange, Bionda, Martin, Duo, Zoffoli, Parolet, Smogor, Coquet, Lanfranchi, Liénard, Baquet, Morel, Échevet, Pliassoff, Pierre Claret, Loguier, Coquan, Michelini, Frumi. Ils ont inscrit une nouvelle page de gloire sur le livre d'or du grand club dauphinois. Et leur nom figure maintenant au bas du fameux bouclier de Brennus à la suite des plus grandes équipes du rugby français. Parmi les réceptions qui émaillèrent la semaine, l'une des plus sympathiques fut celle qui réunit joueurs et dirigeants
dans le cadre agréablement décoré de la cave des Vins Nicolas. Nos amis du rugby dégustèrent aussi le fameux cru des Côtes d'Agly. Monsieur Gros, président du Football Club de Grenoble, déclara « Nous avons le bouclier de Brennus, nous ferons tout pour le garder l'an prochain. » Vive les champions de France !